Alors, on m'a demandé de vous faire un peu un portrait de ma carrière, mais quand on parle de sa carrière, on parle aussi de sa vie. Puis quand on se met à penser à sa vie, on pense aux différents chemins qu'on a empruntés et puis aux trajectoires qu'on était amené à suivre dans ces chemins-là, puis aux personnes qu'on a rencontrées sur sa route. Et tout ça, pour moi, est, je pense, déterminant dans la carrière que j'ai faite et dans le travail que tout chercheur, dans le fond, peut connaître. Quelques mots sur mon enfance. Moi, je suis originaire de la ville de Québec. Je suis né à Québec, j'ai grandi à Québec. Je suis l'avant-dernier d'une famille de 7, donc parmi les plus jeunes. Et dans une famille très modeste, dans le quartier du Moilou, où beaucoup du milieu était un milieu ouvrier, essentiellement à l'époque où j'y étais comme jeune, enfant. Et donc dans un milieu très modeste financièrement, mais dans lequel... Et ma mère et mon père étaient des gens qui étaient préoccupés, depuis même avec mes aînés, par l'instruction, par l'éducation. Pour eux, c'était très important. Alors, dans ce contexte-là, et malgré, encore une fois, des ressources limitées, un jour, ma mère me dit, « Est-ce que tu aimerais poursuivre tes études? » Parce qu'on avait vu que j'étais quand même intéressé par tout ce qui était intellectuel. Je vais revenir là-dessus un peu tout à l'heure. « Est-ce que tu aimerais faire des études? » J'ai dit « Oui, mais j'ai dit on n'a pas tellement les moyens de le faire. » Elle a dit « On va, si tu veux le faire, on va faire en sorte que tu le fasses. » Et ça m'a donné, c'était mon première mise à feu chez moi. Qui m'a propulsé dans un univers où je me suis dit, bon, il y a des choses à faire et je les ferai. J'étais très intéressé par les aspects intellectuels de la vie, puis mes parents s'en étaient bien rendus compte, pour différentes raisons que j'appellerais de biographie personnelle. C'est que tout jeune, j'ai été placé dans la situation où j'étais, par les secrets de la génétique, j'étais un jeune enfant très clair de peau et roux. Roux, comme on disait chez nous, rouge carotte, très roux, dans un univers qui n'était pas. Donc, avec une ascendance quelque part très irlandaise du côté de ma mère. Et beaucoup d'Irlandais sont teint clair et cheveux roux. Et j'étais dans ce contexte-là et j'étais différent. Et en plus de ça, j'étais gaucher. Par nature, puis j'ai appris ensuite à utiliser les deux mains. Et ces deux aspects-là de ma vie personnelle faisaient en sorte que, dans le contexte dans lequel j'étais, avec les enfants avec lesquels j'étais, il y avait quelque chose de désagréable pour moi. On me prenait comme différent. Donc, l'idée de venir à l'anthropologie plus tard pour voir des choses différentes part en partie de ma biographie sur l'intérêt et la prise de conscience qu'il y a des différences et que je portais des différences. Et ça, pour moi, a joué comme un élément fondamental dans toutes sortes de choses. Et j'étais, à cause de ça aussi, puis j'étais un peu timide, alors plus facilement, je me suis mis en retrait et je me suis mis à lire. Et très tôt, j'ai commencé à lire. Et quand j'ai atteint, comme ma mère m'avait dit, tu peux aller aux études... d'un collège privé, c'était le collège des Eudistes. Le collège Saint-Jean-Eu de Limoilou, à Québec, est devenu par la suite le cégep de Limoilou, des années plus tard. C'est là que j'ai été propulsé dans mon intérêt et ma quête de la connaissance. Et très vite, je me suis mis à dévorer toutes sortes de lectures. Je lisais les poètes Baudelaire, Rimbaud... je lisais aussi un auteur qui s'appelle Jacques Prévert. Et Prévert était iconoclaste. Il y a un feuilleton, dit feuilleton de Prévert, entre autres, qui s'intitulait « La crosse en l'air », qui s'attaquait directement à la hiérarchie catholique. Et
ces éléments-là aussi ont construit ma vie. Plus tard, à la fin de mon cours classique, donc j'avais entre... je situerais ça entre 16 et 18 ans, 19 ans, fin d'adolescence, là. Camus, Sartre, moins Sartre que je n'aimais pas tellement, mais Camus beaucoup. André Malraux, Prévert, dont je viens de parler. Donc, tous ces gens me nourrissaient, sans compter les gens comme des chanteurs comme Léo Ferré ou d'autres, où il y avait là de l'intérêt pour la parole, de l'intérêt pour l'intelligence, et ceci et aussi pour la condition humaine, ce qui est un des titres, d'ailleurs, d'un ouvrage de Malraux, ouais. Je m'excuse. Et puis, tous ces éléments-là m'aidaient beaucoup. Pour ce qui est de l'aspect financier de ça, parce que c'était une école privée, que j'ai fait donc des éléments dits, à l'époque c'était le collège classique, des éléments dits français jusqu'à philosophie. Il a fallu que je participe aussi à cette... On m'aidait dans ma famille, mais en même temps, il fallait que je participe à ça. Et je l'ai fait en commençant à travailler dès l'âge de 11 ans, moi. Je travaillais, puis des parents, puis des contacts faisaient en sorte que je pouvais travailler l'été à différents lieux, dans les chantiers de construction, dans les restaurants. Et dès l'âge de 11 ans, j'ai commencé à travailler. Donc ça aussi, ça m'a construit. Et ce qui m'a construit également comme personne et comme anthropologue, ces fondements-là sont importants, mais j'y reviendrai pas de plus ensuite. C'est, comme je vous disais, mes parents étaient très intéressés à ce qu'on soit instruit. Mais au-delà de ça, ma mère était une personne qui avait un discours fréquent, sans être sur les barricades, fréquent sur les disparités dans la société, sur le fait que les anglophones contrôlaient et que les francophones travaillaient. Cet écart de classe était pour elle insupportable. Et comme je dis, elle n'avait pas un discours anarchiste ou révolutionnaire, mais elle faisait référence à ça, d'une part. D'autre part, chez mon père, qui était beaucoup plus effacé et calme à certains égards, il était quand même à l'origine de la mise sur pied d'une association de locataires. C'était il y a presque 50 ans, là. C'était quand même, à l'époque, énorme, de prise de conscience que ça faisait pour moi aussi. Donc, mes différences, un discours sur l'aspect citoyen des choses, mettez ça ensemble à l'âge que j'ai maintenant, et ça vous donne aussi des éléments de ma trajectoire. Donc, autrement dit, elle est ancrée dans ma vie, et elle n'est pas insignifiante, elle est significative à toutes sortes d'égards. Donc, voilà pour l'aspect un peu familial, l'aspect un peu scolarité, donc études au collège, comme je disais, dit classique. Je viens ici à l'Université Laval, dans ce pavillon où nous sommes maintenant, qui vient d'être construit comme étudiant. À l'époque, je ne sais pas ce que c'est que l'anthropologie. Tout ce que je sais, c'est qu'un spécialiste qui nous examinait pour savoir quelles seraient nos vocations m'avait dit « Va voir en psychologie, ce n'est pas ton domaine ». Il y avait peut-être raison. Mais va en sociologie, ça, je pense que c'est ça qu'il te faut. Alors, je suis venu à l'Université Laval en sociologie, mais c'était sociologie, anthropologie, et ce n'est que plus tard qu'il y aura cette division entre sociologie d'un côté et anthropologie de l'autre. Je passerai par-dessus ces événements-là qui ont été des événements politiques là, à l'intérieur de la Faculté des sciences sociales. Mais il reste quand même que l'anthropologie, j'ignorais. Et je l'ai découverte en faisant de la sociologie, mais en faisant de la sociologie-anthropologie. Et là, il y a des... Je disais que mes parents étaient un moment clé, mais un autre moment clé, c'est avec certaines de mes professeurs. Et parmi ceux-là, deux personnes qui vont être déterminantes dans ma carrière. Mon premier terrain d'anthropologue ou d'étudiant en anthropologie,
se fait sur la basse côte nord du Saint-Laurent, à Blanc-Sablon, qui fait des manchettes d'ailleurs aujourd'hui même, parce que Blanc-Sablon est à la limite de Terre-Neuve et Québec, et on parle aujourd'hui même de la possibilité de faire passer Blanc-Sablon à Terre-Neuve. Alors, je vais sur ce terrain en 1966, pendant l'été, comme étudiant qui se prépare à faire des études en anthropologie, avec un camarade qui, lui aussi, sera déterminant à certains égards dans ma vie, Yvan Breton, qui est une année devant moi. Nous partons, nous sommes sur le terrain, dans des conditions, bon, c'est un peu folklorique, passer par-dessus ça, mais il y avait une maison où il y avait autrefois une groupe électrogène, et puis c'était grand comme, ça faisait, je sais pas moi, est-ce que ça faisait pas 10 mètres sur 10? Puis on vivait là-dedans tous les deux avec des lits qu'on pliait, etc. Bon, bref, ça a été mon premier terrain et dans un milieu relativement isolé. D'ailleurs, c'était ça la perspective que Marc Adélard-Tremblay voulait développer, c'était d'examiner tous les isolats de cette région du Québec. Et donc, premier terrain, puis quelqu'un qui me dit, bon, si tu, dans le fond, si tu veux, tu peux aller. Puis un aîné qui me pilote aussi sur le terrain, dans ce premier terrain d'anthropologie. Donc, Marc Adélard-Tremblay. Un autre professeur qui est belge d'origine et qui s'appelle Albert Doutreloup. Et Doutreloup, évidemment, comme belge d'origine, lui travaille en ce qui était à l'époque au Congo. Hein? Et en 67, me dit... Et ces gens-là, évidemment, autant Marc Adélard-Tremblay que Doutreloup, devaient aller chercher des fonds de recherche pour envoyer des étudiants, des assistants, faire leur terrain. Je suis parti en 67, pendant l'été, au Congo, et pour y préparer du matériel pour faire une thèse de mémoire de maîtrise qui allait porter sur l'art et l'artisanat dans cette région. Encore une fois, l'art et l'artisanat, comme je vous ai dit, bon, je m'intéressais à différents aspects de la littérature, etc. Et puis, j'avais aussi de l'intérêt pour la musique. En fait, pour moi, musique et lecture ont été des refuges, hein, comme je le disais tantôt, par rapport à mon enfance plus difficile, un peu, que je jugeais, en tous les cas, plus difficile. Et pour ce qui est du terrain donc dans cette région, il y avait aussi la chance que j'avais d'avoir une personne, Nancy Schmitz à l'époque, qui était, elle, spécialiste un peu, intéressée par tout ce qui concernait l'art et l'artisanat. C'est là-dedans que je me suis engagé. Et je suis allé faire un mémoire, pas un mémoire, mais une recherche qui allait conduire à mon mémoire de maîtrise sur l'art et l'artisanat, donc, mieux comprendre d'abord la distinction, parce qu'il y avait déjà des travaux qui montraient ça, mais je ne vais pas faire référence à trop de littérature, mais Michel Léris a été déterminant dans ce que j'ai fait aussi, qui s'intéressait à la statuaire et à toute l'allure, toutes les dimensions très esthétiques de l'art, de ce qui était considéré comme non de l'art avant, mais que lui et d'autres rehaussaient, en un sens, mettaient sous l'angle de « c'est de l'art, c'est des formes, c'est du travail artistique, c'est pas rien que du travail artisanal parce que c'est fait en Afrique. Hein? » Donc, mais il y avait aussi toute une série de gens qui faisaient de menus et vendaient à des Blancs comme moi, là, vendaient des petits travaux que j'ai apportés avec moi, on pourra voir éventuellement, un petit exemplaire de ce que faisaient des gens dès 1967 avec très peu de choses, faisaient des peintures, représentaient des scènes de la vie quotidienne, et c'est très fréquent en Afrique en général, de toute façon, cela. Donc, prendre des moyens limités pour faire des choses très intéressantes. Donc, on n'a pas besoin d'avoir des moyens techniques énormes pour arriver à s'exprimer
sur le plan artistique. C'était cette distinction art et artisanat que je voulais essayer de, dont je voulais essayer de montrer ou de démontrer qu'elle portait un certain flou quand on regardait du côté africain. Donc, ça a été ça, donc les premiers moments que j'ai fait au département d'anthropologie, qui devenait de plus en plus anthropologie, avec ces deux professeurs et les subventions de recherche qui nous ont permis de, à moi et à d'autres, en fait, donc de faire du terrain. Maîtrise complétée, on passe au doctorat. Encore une fois, question financière. Bon, je suis boursier comme tous les étudiants de l'époque et maintenant. Aide gouvernementale qu'on doit rembourser ultérieurement, mais bon, je suis boursier. Et là, je me dis, bon, ben, je vais faire des études doctorales. Dans quel domaine? Ça sera l'Afrique, assurément. Pas clair tout à fait comment ça peut être l'Afrique et jusqu'où et à quel endroit, mais la littérature que j'avais, ce que j'avais lu et ce qui m'avait servi à différents moments dans la préparation de mes études de maîtrise allait m'amener à aller vers l'Angleterre. Je reviendrai là-dessus ensuite. Un petit mot pour ne pas oublier ceci qui est très important. Quand je disais que les personnes ont été déterminantes dans ma vie, bon, je parlais de Marc-Adélaire Tremblay, mais Marc-Adélaire Tremblay l'est à double titre, dans la mesure où, pour faire mes études de maîtrise, j'ai pu obtenir une bourse. Marc-Adélaire avait des contacts qui permettaient d'aller éventuellement présenter des candidats du côté des États-Unis, pour une bourse qu'on appelle le Woodrow Wilson Fellowship, qui est une bourse relativement importante pour les étudiants des États-Unis dans les domaines des sciences sociales. Alors, il m'a proposé d'aller. Je ne sais pas comment ça s'est goupillé, parce que j'avais quand même 6 ou 7 camarades dans le même groupe. Il m'a proposé, il a dit, « Serge, si tu veux, tu vas aller à Boston au concours de Woodrow Wilson Fellowship, et tu vas participer. » Ce que j'ai fait. C'était ma première sortie de Québec, et j'étais à Boston, un aller-retour avion. Donc, je n'ai même pas vu vraiment Boston. Mais ce que j'ai vu, c'est une salle dans laquelle il y avait des gens qui avaient l'allure que j'ai maintenant, c'est-à-dire de gens âgés, qui rencontraient des candidats, et c'était très sélectif. Ce que j'ignorais, je suis allé là un peu comme... je dirais presque jeûner. Je suis allé là, et puis les gens ont été gentils. D'abord, j'avais cette possibilité quand même, j'ai causé avec eux en anglais, ce qui me donnait un avantage aussi par rapport aux étudiants. Je sais pas que j'étais compétent tant que c'est en anglais, mais j'avais de l'aisance, et puis voilà. Alors, mais en même temps, ces personnages qui nous sélectionnaient ont eu la gentillesse à certains moments de m'interroger, surtout sur quand je me souviens d'un monsieur très grand, très un peu austère mais gentil en même temps, là, qui s'est adressé à moi en français pour que je puisse causer sur Durkheim. Alors, ça m'a facilité la vie grandement, et je suis revenu de là, donc dans la même journée. Et puis, quelques temps après, j'apprenais que j'avais une bourse pour Woodrow Wilson pour étudier. Donc, ça me propulsait un peu. Et comme je dis, bon, j'ai eu des bourses ensuite pour aller, des bourses du gouvernement québécois, pour aller vers... et là, je pensais vraiment à Europe. Je ne pensais pas États-Unis, même si j'avais eu cette bourse, après mes études de maîtrise. Pourquoi l'Europe? Probablement pour aller dans des lieux différents, là aussi, que je ne connaissais pas. Et d'abord, mon choix s'est porté sur l'Angleterre. Et pourquoi l'Angleterre? Bien, l'Angleterre, parce que ce qui m'intéressait, ma thèse allait porter, ma thèse doctorale sur l'Afrique, sur la transmission des connaissances en Afrique. Et l'Angleterre, parce que, pour moi, ben, les grands anthropologues de l'époque
Edmund Leach pour la Birmanie, Evans Pritchard pour ce qui est de l'Afrique, chez les Nuer, également Mayer Fortes sur les Talensi. C'était des gens qui, non seulement nous parlaient de la différence de ces sociétés, les Talensi, les Nuer ou les Birmans, mais qui nous parlaient aussi de problèmes théoriques rattachés à, autrement dit, c'est pas rien qu'un terrain, c'est pas rien que la différence, c'est pas rien d'aller ailleurs pour voir la culture, c'est que ces éléments-là sont des déclencheurs pour aborder des problèmes intellectuels plus, ou théoriques plus généraux. Les systèmes de parenté chez Fortes, les systèmes de parenté religieux chez Evans Pritchard, les systèmes spécifiques de Birmanie et aussi un discours pour Leach, par exemple, beaucoup plus campé sur les rapports coloniaux ou sur les rapports qui marquent les distinctions entre les groupes et finalement dans toute une mouvance qui commençait à être en gestation de plus en plus aussi sur tous les terrains qui étaient des gens qui étaient très influencés par un grand théoricien qui était Lévi-Strauss et d'autres qui étaient influencés par une perspective plus marxiste, mettons ça comme ça, et ceci suscitait des débats. Et des gens comme Leach, des gens comme un peu Evans Pritchard, peut-être un peu moins, mais Meyassou, pour ce qui est de l'Afrique, en contexte français, etc., ou Godelier, avec toutes sortes de nuances, dans le cas, entre autres, de l'Océanie. Donc, il y avait des débats. Et ceci, pour moi, était très, ça me propulsait et c'était très nourrissant. Et je me suis dit, vivement, l'Europe. Je me suis fait accepter en France et j'avais l'avantage de penser terrain Cameroun parce qu'un autre, une autre personne ici, Renaud Santerre, avait des projets de recherche du côté camerounais. Et que, comme j'avais déjà fait une première expérience avec son collègue d'Outreloup vers le Congo, m'a demandé si ça m'intéressait. Puis, bon, lui, il m'a monté une équipe, et bon, ça m'intéressait d'aller en Afrique. Donc, alors, la jonction se faisait. J'avais un terrain, j'avais des possibilités de travailler sur des questions de transmission de connaissances, ce qui m'intéressait aussi, et la possibilité d'aller en France pour étudier avec les bourses. Alors, c'est un peu comme ça que... en Angleterre, pardon. Pas en France, en Angleterre. C'est un peu comme ça que ça a commencé. Et je me suis trouvé à la London School of Economics avec quelques collègues, quelques-uns qui étaient avec moi ici, et d'autres de Montréal. On s'est retrouvés, quelques francophones, avec des États-Unis, dans ce qui était, non pas des études doctorales, mais ce qu'on appelait à l'époque, ce qu'on appelle encore sans doute maintenant, un MPhil. Le MPhil est comme un sas de décompression des gens qui viennent d'ailleurs vers le milieu britannique pour bien les camper et voir qu'est-ce qu'ils savent et ne savent pas et comment on peut faire en sorte de les préparer à faire un doctorat. Donc, on n'entre pas d'emblée au doctorat à Londres, à l'époque, en tous les cas. Ce MPhil qui conduit ensuite au DPhil, au doctorat. Alors, on s'est retrouvés, et puis là, il y a plusieurs cours, il y a des gens très importants là-dedans, qui ont été très importants pour moi à certains égards. Iwan Lewis, qui est un spécialiste de l'Afrique, du côté de la Somalie, entre autres. Maurice Bloch, qui était spécialiste de Madagascar. Des gens qui étaient nos professeurs. Donc, très important pour nous. Et il y avait là aussi beaucoup de stimulation. Et j'ai eu des camarades des États-Unis qui ont aussi été très importants. Ce qui a non seulement été très important, mais ce qui nous a amené à poser des questions sur pourquoi il y avait le DPhil, le MPhil. Pourquoi il y avait le MPhil? Pourquoi on devait faire 13 essais durant deux trimestres pour savoir si on était compétent et apte. Alors, ça a donné lieu à, comment dirais-je,
à une rencontre de l'ensemble du staff de professeurs de la London School d'anthropologie à l'époque et des étudiants que nous étions. Et ça s'est mal barré parce que encore une fois, on était étudiants, puis eux étaient professeurs, on n'était pas britanniques, malgré qu'on avait quelques Britanniques avec nous, et eux l'étaient. Mettons ça comme ça, hein? C'est des choses qui existent dans la vie, ça. Ça s'appelle des rapports de force, puis des rapports même culturels, puis des rapports d'égalité entre individus. Ça basait tout ça. Alors, avec un camarade, j'étais un peu dans... disons que j'avais la fibre dont je parlais tantôt, maternelle et paternelle, qui me piquait un peu. Et un camarade... que je nommerai pas, mais que je pourrais nommer, qui était très sympathique, qui est devenu prof d'ailleurs à peine, spécialiste de l'Afrique aussi. On s'est mis ensemble et puis on a chahuté et puis on a demandé des comptes et puis ça a mal été. Mais quand même, moi, j'étais boursier là d'une part. Alors je suis parti, entre-temps, après cet épisode-là, moi j'étais sur le terrain, je suis parti sur le terrain, en Afrique. Et manque de peau. Manque de chance, je me suis retrouvé avec une hépatite virale carabinée en rentrant d'Afrique. J'ai été 6 semaines à l'hôpital, je m'en souviens bien, de le Hospital for Tropical Disease à St. Pancras, près de la station St. Pancras à Londres. Et j'ai dû rester là 6 semaines. C'était assez, parce que là, où on passe au travers, où on ne passe pas, là. Il y aurait toutes sortes d'anecdotes là-dessus, mais je les passerai sous silence. Et pendant ce temps-là, par ailleurs, à la suite de l'intervention que nous avions faite, le directeur de l'école du département, Iwan Lewis, Dieu ait son âme, mais non, c'est pas le cas parce qu'il est encore vivant, a dit que, comme je ne pouvais pas réintégrer, j'étais malade, a communiqué avec le Conseil des arts du Canada pour dire que je n'étais plus étudiant à la London School of Economics. Alors, il me fallait, disons, me virer de bord. J'ai eu là aussi de la chance. Nous avions eu des cours ici sur l'Afrique de Paul Mercier, qui était un collaborateur, entre autres, de Georges Balandier. Alors, Paul Mercier, un homme charmant, j'ai écrit à Paul Mercier à Paris en lui disant, écoutez, je suis à l'hôpital, j'ai plus de statut d'étudiant et j'ai plus de financement. Et moi, je suis, à l'époque, je suis jeune marié, là, hein? Pas tout seul. Je lui ai dit, est-ce que vous pouvez faire quelque chose? Est-ce qu'il est possible de passer en France? Il a fait le nécessaire et je me suis retrouvé à Paris. Et donc, ma thèse de doctorat a été faite à Paris, mais commencée et anticipée du côté britannique. Donc, mais j'étais en Europe et puis bon, voilà. Alors, c'est petits éléments d'histoire, petits éléments de la vie d'un étudiant, peut-être un peu... En tous les cas, peut-être parfois un peu timide, mais en même temps assez affirmé. Je me qualifierais comme cela.